nous déplorons aujourd'hui une situation côté c'est l'école qui est toujours grande victime. Côté élèves nous qui servent ni pays, c'est eux-mêmes qui toujours victimes dans tout mouvement qui a dû gagner. Fois encore, des menaces de violence, d'intimidation, rivaient créer un peuple psychologique, la caille parent. Jodia, pendant que tout le monde l'école dans 9 autres départements pays a fonctionné normalement, notamment dans le nord, dans la Tibonite, et bien dans l'ouest, en pile l'école, côté parents avec responsable de l'école, paniqué, pas arrivé au travail. Et chaque année, nous avons qui conséquences ça a gagné, notamment dans l'ouest, côté année l'école est toujours troublée. Déjà, nous-mêmes en Haïti, nous sommes dans une région, dans la zone Caraïbe, côté nous n'avons pas suffisamment de jours de classe. Et l'école ouvre 4 septembre, dans la même semaine 4 septembre, ça a un ouragan, Irma, te pote nous par mesure de prudence pour nous éviter un pile de dégâts, nous avons décrété 3 jours de congé. Et voilà que jodi a, eh bien, deuxième semaine d'école, troisième semaine d'école, mais ça privé, côté dans l'ouest seulement, en pile d'école pas fonctionné. Nous avons eu résultat, examen officiel, ou allez ça à côté. Tout le monde a saisi, ouais, dans l'ouest, côté gain maître, qui a pile qualification, pas de bon résultat. Et c'est comme ça, presque chaque année. Alors que dans la ville provinciale, dans l'autre département, notamment dans NIP, dans Grandens, dans le sud, nous voyons qui ont un résultat obtenu parce que dans la zone, eh bien, élèves, ils ont plus joué l'école parce que les gens qui sont dans l'ouest. Nous voyons comment ça y est, les gens n'ont pas de temps pour passer le nombre de jours de classe, qui conséquence ça a gagné sur le résultat pour eux. Et dans ce sens, nous déplorons à toute force nous, toute manœuvre pour ta rendre les gens victimes une fois de plus. Et nous saisissons l'occasion pour nous dire que nous sommes en gros compte avec toute force de notre pays, la justice, la police, toute mesure prend pour tout le monde capable de regarder sa location normalement, même Jean Saïe, Jodia, dans tous les 9 départements. Nous reconnaissons que grève, c'est un droit démocratique. Mais, on fait grève, c'est vrai, mais il faut que respect tout activité de l'autre monde. Les dit démocratie, nous dit tolérance. Tout le monde doit faire passer les revendications aux gens qui veulent. Mais tout le monde doit tout pour respecter les droits de tout le monde. Parents, élèves, responsables de l'école, partenaires d'éducation, nous disons tout pour nous reprendre l'activité de l'école. Nous, et force notre pays, nous avons une bonne garantie pour protéger l'école, protéger les gens qui parlent dans la rue. Frères, sœurs, moi, j'aime remercier la police nationale. Je parle de la police nationale, je parle de directeur général de la police nationale, là, au commandement de la police, là, et puis policiers et policières. Je dis à j'aime dire que nous très fiers de vous. Nous allons remercier tout l'autre institution, l'État, qui décrétait la permanence face à la conjoncture que nous vivons là. Moi, je voulais citer le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, le ministère de la Justice via Secrétaire d'État à la sécurité publique, SMCRS. Pendant la nuit, nous étions dans la rue hein, et nous avons constaté toute la nuit la présence de l'institution de l'État. Je dis, hein, je pense que le peuple haïtien, les deux fiers de la police nationale, de femmes Sayo, de monsieur Sayo, qui consacrent vie pour protéger les vies et les biens.
C'est occasion pour m'ka di population que gouvernement de la République nan, administration Moïse Lafontaine a travaillé pour nous. L'a travaillé pour nous ka gen on la vie meilleure en Haïti. Moi mande nou patience. On l'autre Haïti a pris naissance. Nous déplorons aujourd'hui une situation côté c'est l'école qui toujours grande victime. Côté élèves nous qui servent ni pays, c'est eux-mêmes qui toujours victimes dans tout mouvement qui a dû gagner. Fois encore, des menaces de violence, d'intimidation, rivaient créer un peuple psychologique. La caille parent yo. Jodi a pendant que tout ti moun l'école nan 9 lot département pays a fonctionné normalement notamment nan nord nan la Tibonite et bien dans l'ouest en pile l'école côté parent yo avec responsable l'école yo paniqué pas arrivé travail et chaque année nous qui conséquence ça gagner notamment dans l'ouest côté année l'école yo tout troublé déjà nous même en Haïti. Nous c'est une région dans zone Caraïbes là côté nous pas gain suffisamment jour de classe et l'école ouvert 4 septembre dans même semaine 4 septembre ça yon ouragan Irma te pote nous par mesure de prudence pour nous éviter en pile dégâts nous te décrété 3 jours de congé et voilà que jodi a eh bien deuxième semaine d'école troisième semaine d'école mais ça privé côté dans l'ouest seulement en pile l'école pas fonctionner nous te ouais résultat examen officiel ou aller ça à côté tout monde te saisi ouais dans l'ouest côté gain mettre qui gain pile qualification pas gain bon résultat et c'est comme ça lié presque chaque année alors que dans ville provinciaux dans l'autre département yo notamment dans Nip dans Grandance dans sud nous ouais qui gain résultat outeyé parce que dans zone ça yo eh bien, élèves, yo, yo gen plus jou l'école passe moun ki nan l'ouest. Nou wè kouman sa ye, lè ti moun yo pa gen tan pou yo passe nom jou de classe, ki konsekans sa genyen sou rezultat pou yo. Et nan sens sa, nou déplore à toute force nou, tout manœuvre pou ta rann ti moun yo victime on fa de plus. Et nou saisi occasion pou nou di que nou sotan gros en compte avec toute force de l'autre pays, la justice. La police, toute mesure prend pour tout le monde capable de regarder sa location normalement, même Jean Sarrié, Jodia, dans tout l'autre 9 départements. Nous reconnaître que grève, c'est un droit démocratique. Mais, on fait grève, c'est vrai, mais il faut que respect tout activité de l'autre monde. Nous dit démocratie, nous dit tolérance. Tout le monde doit faire passer revendication, j'en voulais. Mais tout le monde doit tout. Pour respecter les droits de tout le monde, parents, élèves, responsables de l'école, partenaires d'éducation, nous disons tout pour nous reprendre l'activité de l'école nous, et force l'autre pays à ben nous bon gens garanti pour protéger l'école, yo, protéger les gens qui sont dans la rue. Frères, sœurs, je vous remercie la police nationale. Je parle de la police nationale, je parle de directeur général de la police nationale, là, au commandement de la police, là, et puis policiers et policières. Je dis à Mme Mendio que nous sommes très fiers de vous. Je vous remercie tout, toute l'autre. Institution l'État qui décrétait la permanence face à la conjoncture que nous vivons là. Moi, je voulais citer ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, ministère justice via secrétaire d'État à la sécurité publique, SMCRS. Pendant la nuit,
nous étions dans la rue, hein, et nous avons constaté toute la nuit la présence institution l'État. Ça je dis, hein, je pense que le peuple haïtien doit être fier de la police nationale, de femmes Sayo, de monsieur Sayo, qui consacrent vie pour protéger les vies et les biens. C'est l'occasion pour m'ka di population que le gouvernement de la République, l'administration Moïse Lafontaine, a travaillé pour nous. L'a travaillé pour nous gagner la vie meilleure en Haïti. Je demande nos patience. On l'autre Haïti a pris naissance.